je suis chaos technique. Et il fait trop chaud. Vraiment, vraiment très chaud aujourd'hui. On se retrouve dès que je sors du bus. On va faire les courses pour préparer des petits gâteaux pour la fête de la ride. Vraiment, je viens de me décider hein, parce que j'avais prévu de ne rien faire puisque j'ai déjà fait durant le week-end des marmoules. Mais je me suis dit non, il faut que je fasse quand même quelques petits gâteaux. Donc c'est parti, on va faire les courses ensemble. Coucou, voilà, on est à l'extérieur. Comme je vous disais, il fait extrêmement chaud aujourd'hui, je ne sais pas combien de degrés. Hier, il a fait aussi super chaud. J'espère que vous allez bien. Je vous avais dit que ça allait être le dernier vlog. Je vous ai posté le dernier vlog Ramadan, mais finalement, encore un dernier vlog. Donc, comme je vous disais, je me disais, est-ce que je fais des gâteaux pour la fête de l'Aïd ou pas, en sachant qu'on va passer la fête de l'Aïd avec un groupe de personnes, un genre de pique-nique à l'extérieur. Et du coup, je me suis dit, oh non, ça sert à rien cette année, étant donné que j'habite pas à la maison et tout. Et finalement, je me dis, non, il faut que je fasse mes petits gâteaux de l'Aïd, même si j'ai déjà fait quelques marmoules le week-end. Je me suis dit, non, allez, je vais quand même les faire, j'ai trop envie de boules à la noix de coco. Je vais faire un tour chez Uniqlo rapidement et ensuite on va faire les courses. Ça aussi c'était pas prévu. Bon, c'est parti. Le premier endroit où on va aller, c'est Redman by Phone What. Il y a tout ce qu'il faut pour faire des gâteaux. Il y a vraiment tout. Attendez, je vous montre la chambre froide. Oui, parce qu'il fait tellement chaud ici qu'ils sont obligés de mettre ça dans un espace froid. Ah, ça fait trop du bien, il fait frais ici. Vous avez tous les, les chocolats ici, bien au frais. Ah, ça fait du bien. Attendez, je reste un peu ici, histoire de me refroidir, parce que vraiment, j'ai trop chaud. Moi, j'en profitais pour regarder, mais ça, j'ai pas besoin, puisque j'ai déjà des pépites de chocolat à la maison. Est-ce que j'en prends? Non, je pense que j'ai ce qu'il faut, donc c'est pas la peine. Allez, on y va. Allez. Voilà, vous avez vraiment des moules, des plats, toutes sortes de farines et d'ingrédients. Alors moi j'ai acheté ça récemment. Est-ce que c'est ici que j'ai acheté ça pour faire? Je vous montrerai tout à l'heure à la maison. Non, c'est pas ici que j'ai acheté ça. J'ai acheté un moule ici à Singapour, ils font des mooncakes. Ils font des mooncakes et donc j'utilise ça pour faire mes marmoules. Ça. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire de jolis gâteaux. Allez, on va pas perdre de temps. Ils ont récemment, ils proposent des ateliers cuisine maintenant ici. Alors, il me faut de la noix de coco. Où est-ce que je vais trouver de la noix de coco? Il me faut un chariot d'abord. On va d'abord prendre un panier et ensuite on va faire les courses. Parce que je ne compte pas faire beaucoup de gâteaux, je vais prendre un petit paquet comme ça. Coconut. Il nous faut des amandes, de la poudre d'amande. Pareil, je vais en prendre un tout petit paquet. Combien ça coûte? 250 grammes, 5, 10. Hop, c'est mieux comme ça. Bon, il y a plein de farine. Donc, je vais partir avec. Oh là là, c'est lourd. Oh là là. Une bonne chose de faite, on va aller à Fairprice, c'est un supermarché. Il me manque, ça fait longtemps que je ne suis pas allée là, très longtemps. C'est un restaurant thaïlandais halal, super bon. Donc je vous disais, il me manque du beurre, de la confiture d'abricot, ça c'est le problème. J'ai toujours du mal à trouver de la confiture d'abricot, donc il me faut du beurre et de la confiture d'abricot. Et je vais acheter du poulet, j'ai envie de faire un poulet ce soir pour le tour. Allez, let's go! Voilà, welcome to Fairprice. Fairprice. C'est parti, on va prendre un panier, un verre cette fois-ci. De toute façon, je ne vais pas prendre grand-chose parce que c'est déjà lourd ce que je porte. J'ai mon sac qui est plein. Donc du coup, on va directement aller à la confiture. Alors, ah oui, j'hésite, est-ce que je fais un poulet ou est-ce que j'achète un poulet déjà tout prêt? Je crois que je vais prendre un poulet. Vous voyez ici, vous avez les poulets. Halal. Je crois que je vais prendre un poulet.
Ouais, ouais, je vais prendre un poulet. Est-ce qu'on va trouver de la confiture? De la confiture d'abricot. Oh yes. Oh non, c'est de la confiture d'orange. Non. Non. Pêche. Abricot. Super. Au mois de ramadan, ils remettent à chaque fois le... Ils appellent ça du kurma. En fait, c'est du lait. Du lait et des dattes mélangées. C'est super bon, franchement. Bon, tout compte fait, j'ai changé d'avis. Je vais prendre du poulet déjà découpé. Et je vais faire mon poulet aux olives. J'ai trop envie de mon poulet aux olives. Alors, de l'ail. Il faut de l'ail ici. J'achète de l'ail déjà découpé, préparé. Je suis bien rentrée. La machine elle est déjà en train de tourner. J'ai mis le poulet à mariner. J'ai mis les épices, de l'ail. De la coriandre, du gingembre, curcuma, du sel, du poivre et quoi d'autre? Curcuma, gingembre, poivre, c'est tout. Ouais, je pense qu'il y avait que ça. Et j'ai mis à mariner, je vais laisser une petite heure dans le frigo. Et en attendant, je vais donc faire mes doigts du matin et du soir. Donc celle du soir puisque je viens de prier la rassol. Il est... voilà, ensuite on va attaquer les devoirs. Je vais en profiter pour... faire cuire le poulet en même temps et je ne vais pas faire les gâteaux aujourd'hui. On les fera. Allez, filles, on fera les gâteaux jeudi. Jeudi, elles finissent plus tôt. Jeudi, elles finissent plus tôt. Jeudi, en gros, ils vont célébrer la fête de l'Aïd à l'école. Donc, ils vont finir beaucoup plus tôt. Et je compte pas faire beaucoup. Je vais vraiment faire, un petit peu au cas où on reçoit de la visite à la maison et pour envoyer ici aux voisins. Je vais vraiment pas faire grand chose. Parmi les invocations que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-ci. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayni. Ô le vivant, celui qui veille éternellement à la bonne marche de toute chose, j'implore secours auprès de ta miséricorde, améliore ma situation et ne me laisse pas mon propre sort, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. J'aime beaucoup cette invocation. Et alors il y en a une autre. Alors, c'est ça, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wa al-'afiya fi dunya wa al-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wa al-'afiya fi dini. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfidni min bayna yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'uzu bi 'azmatika an ukhtala min tahti. Alors c'est « Ô Seigneur, je te demande le pardon et la santé dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Seigneur, je te demande le pardon et la paix dans ma religion, ma vie, ma famille et mes biens. Ô Seigneur, cache mes défauts et mets-moi à l'abri de tous mes effrois. Ô Seigneur, protège-moi devant moi, derrière moi, sur ma droite, sur ma gauche et au-dessus de moi et je me mets sous la protection de ta grandeur pour que je ne sois pas assassiné par en dessous de moi. » C'est une dua que j'aime aussi beaucoup. Voilà. Rania, qu'est-ce que tu nous as fait? Rania, elle devait terminer son... L'arbre qu'elle a commencé en classe. Rania, si tu mets ça, le mieux c'est que tu le mettes à l'extérieur, dans le balcon, d'accord? Et tu peux ranger les pinceaux et tout le reste. Et Mariam, elle est en train de recopier sa dictée. Alors en fait, ici, quand ils ont faux, il faut recopier 5 fois. Sauf que c'est des pavés, des textes, c'est quand même des textes assez longs. Non, tu le laisses sur ça, c'est mieux. Attention, enlève l'eau, voilà. Et les filles, vous me ramassez vos livres. Direction la cuisine. Oh, je vous montre, hein. C'est le boxon. Il faut que je range tout ça. Il y a 30 000 messages. J'ai reçu les photos d'un photoshoot qu'on a fait. Les filles, j'ai reçu les photos tout à l'heure, on les regardera. On a fait un photoshoot, je vous montrerai sur Instagram. Il faut absolument que vous me suivez sur Instagram si ce n'est pas encore fait. On a fait un photoshoot spécialement pour la fête de l'Aïd. Alors ici à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, c'est très courant. Les familles s'habillent tous de la même couleur. Chaque année, ils ont une couleur. Et très souvent, ils vont faire des photos de famille, voilà, ce jour-là. Et donc, nous, on a fait ça avec un studio. Et les photos, elles sont magnifiques. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, elle a la machine, hein. Vraiment, je vous dis, le vlog, il n'y a pas de qualité. C'est du vrac comme ça. C'est du naturel. Alors, je vais rechercher ici. Voilà. Alors, comme je vous disais, je regarde une série qui s'appelle Jenna Home at Least. Et donc là, je suis à l'épisode... l'épisode 26. Voilà, donc je vais lancer ça ici.
pas internet? Pourquoi j'ai pas internet? Qu'est-ce qui se passe? Je suis connectée sur le mauvais réseau. Voilà, là ça va être bon. Donc on va faire ça et... Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu said that if there was to be a caller from the heavens, that everyone... Et je vais en profiter pour couper mes oignons. J'ai retiré mon poulet et j'ai rajouté les olives, je vais laisser la sauce réduire. On a deux bras ici, on a deux os ici. On a l'humérus, le radius et puis... Et l'ulna. C'est à côté d'ici. Vous avez le hip. Le hip, c'est les... C'est qu'on appelle le hip là, en français. La hanche, ouais. Hanche. Je m'occupe pas des révisions. Demain, elles ont un examen de science. Ah, on va aller chercher le linge. Elles vont réviser vite fait. En fait, ils font des... Oups. Ce qu'ils appellent des mocks. C'est des faux tests avant les vrais tests. Sauf qu'il y a 5 chapitres. C'est lourd. Attends, j'ai un cadeau pour elle. Pour les aider dans leur révision. Il y a Monsieur Squelette. Voilà, comme ça vous pouvez vraiment voir les os. Allez. Mariam, c'est quoi ça? Et voilà, une bonne chose de faite. J'ai 20 minutes pour lire tranquillement mon Coran avant que les enfants rentrent tous. Ils sont partis chercher Haroun et à faire un tour à vélo. Ouais, je vous disais, franchement, regardez-moi ça. Ce qu'elles doivent réviser là. Alors, il y a donc 5 chapitres. Les muscles et les os. Donc tout ça c'est un chapitre. Oh voilà. Oui, on est encore dans le premier chapitre. Après ils ont étudié les maladies avec les vaccins, etc. Energy from food. Donc il y a 5 chapitres. Ça va, on a encore une semaine. C'est dans une semaine, différents ici, différents habitats, les habitats, ils ont fait les habitats, et le dernier chapitre, c'est matériel, les matériaux, les particules, en sachant que ça, c'est que la science. Après, ils ont aussi computing, histoire, géographie. Là, le meilleur moment de la journée. Oui, le café, oui, on prend un café à 7h. Je crois que je vais aller à la mosquée juste avec les enfants, avec les filles. Ahmed va nous rejoindre plus tard. Et voilà. Direction la mosquée, il est 20h. Rania, tu te mets sur le côté s'il te plaît, il y a une voiture derrière. Et on va récupérer les vélos dans le parking. Et on se rend à la mosquée qui est pas loin. Je pense que vous la connaissez maintenant si vous me suivez sur Instagram, je vous l'ai partagé dans plusieurs réels. C'est la... Oui, elle est Sirfar. Une jolie mosquée bleue, pas loin d'ici. Donc on va y aller. Et Ahmed, il va nous rejoindre peut-être après, il est en col. Donc Haroun, il est resté avec. Haroun, il voulait pas venir avec moi, il m'a dit « Maman, moi je veux pas aller chez les femmes ». J'ai dit « Mais il y a des enfants, il y a des petits garçons ». Et il m'a dit « Non, je veux pas y aller ». J'ai dit « Ok, comme tu veux ». Vous êtes contente? T'aimes bien partir à la mosquée? Il y a tes copines aussi là-bas, c'est pour ça, oui? C'est parti! On y est! Je ne sais pas si vous voyez, il y a des éclairs. Il a fait extrêmement chaud. Donc, il risque de pleuvoir. Hein. Oui! Les éclairs? Ben, parce qu'il a fait chaud. Allez! Voilà, on va rentrer. En général, on prie Tarawih et je rentre. La plupart du temps, on ne fait pas Shfa'il Witr. Je préfère faire à la maison. Je sais pas si vous voyez, il y a des éclairs depuis tout à l'heure. Et
Moi, les orages ici, ils me font flipper. Franchement, c'est impressionnant quand il y a de l'orage. Il y a Haroun qui est là. Haroun, il a ramené sa trottinette. Alors. Aya, ouais, ça va mon cœur. C'est qui t'a donné ça? Hein? C'est qui t'a donné ça? Il est où le monsieur? Tu as dit merci? Oh, tu lui as fait un câlin, c'est gentil. En fait, Ahmed il prend Haroun avec et moi je prends les filles. Et en général, Haroun prend ses petites voitures Hot Wheels avec lui. Et il y a un monsieur qui est venu le voir il y a quelques jours et il lui a dit je t'observe, tu ramènes toujours des petites voitures. Et comme tu es gentil et que tu viens avec ton papa à la mosquée, alors c'est un collectionneur de voitures Hot Wheels. Alors je vais te ramener, Haroun, tu vas me faire tomber. Ah, mon pied, Haroun. Oui, 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 mon bobo. Oui, je me suis fait mal, j'ai un gros bobo. Oui. Un gros bobo. Et donc du coup, il lui a ramené des Hot Wheels. Et là, il lui a ramené Mario Bros. Mais Haroun, il lui a ramené des voitures. Tous les jours. Il a collectionné tous les Hot Wheels de Mario. Tous les monstres. J'ai chaud. Wow. On y va? Allez. Alors Rania m'a dit, maman, je pense que c'est la nuit du destin. Je lui dis pourquoi elle me dit, parce que depuis tout à l'heure il y a plein d'éclairs, il y a des lumières mais il n'y a pas de bruit, c'est peut-être les anges qui descendent. Quand je vous disais qu'il fait extrêmement chaud, il fait 34 degrés. Normalement il va pleuvoir. Il fait trop chaud mon chéri. Oui je sais, on va prendre la douche, ok? Oui. Oui, et maman après on va faire une histoire. Oui, et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Gros câlin. Hein? Sourate? Oui. Oui, quelle sourate tu veux? Une histoire. Oui, madame. Mais d'abord, on va faire un petit QCM pour voir si vous avez lu votre cours de science. D'accord? Et ensuite, oui, je peux vous faire une histoire. On est en train de faire les histoires. On fait quoi comme livre? On est en train de faire quoi comme livre? On a bientôt terminé. Les histoires des quoi? Des animaux. Ouais, mais des animaux dans quoi? Ouais, c'est les animaux dans le courant. Les animaux dans le courant. On a fait quoi comme animal? Tu te souviens, on a fait... Comment ça s'appelle ça? Une fourmi. La fourmi. Ouais, on a fait l'éléphant. On a fait... Le corbeau. Le corbeau, oui. L'éléphant. On a fait la vache. Est-ce qu'on a fait le loup? Si, on l'a fait le loup. On l'a fait ou pas l'histoire du loup, Lania? Oui, d'accord. Si, madame, on l'a fait. Ah si, on l'a fait. On l'a fait, Mariam, on l'a fait. Et après, quoi d'autre? Du chien, les gens de la caverne. J'ai du mal, je dis caverne. Caverne. Et il y en a un encore, le dernier. Rania, c'est quoi la dernière histoire? Non, c'est pas celle d'hier, c'est la première. On l'a faite, la vache, oui. On l'a déjà dit. Le chien. Le chien, on l'a dit. Les fourmis, on l'a fait. Le loup. Le loup, on l'a fait. La baleine. Ouais, la baleine avec le prophète. Younous, oui, Younous. Et après, le dernier, ce qu'on a fait, c'est le prophète Salomon. Ah, c'est papa qui te l'a dit, ok. Voilà. Bon, on est arrivé. Allez, on se retrouve. Tagou. Happy, happy. Allez. Ok. Inch'Allah. Samy apprend à dire Inch'Allah. Ok. Oui. Abodo. Voilà. Good night. Bonne nuit. Good night, Mr. Haroun. La conclusion de ce vlog dans la cuisine. J'ai fait des gâteaux ici à l'amande. J'ai fait des gâteaux. Là, je suis en train de chauffer la confiture avec un peu d'eau de fleur d'oranger. Ça, on va le prendre. Je viens de faire le grand ménage. J'ai tout lavé. Ça faisait un moment. J'ai tout retiré les tapis qui sont dans le balcon. Et on va se quitter comme ça. Je vous souhaite d'avance une bonne fête de l'Aïd. Aïd Moubarak. C'est officiel.
C'est le dernier vlog du mois de Ramadan 2023. Salam alaikum.